Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous deux astuces pour faciliter le démêlage de vos cheveux. Alors je vais le faire avec vous. Je vais juste vous montrer mes cheveux. C'est vraiment très très emmêlé. En ce moment, mes cheveux sont très très secs. Ce que je compte faire, je vais diviser en deux. Je vais faire cette partie, la première astuce, et cette partie, la deuxième. Alors, je veux juste. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très humide. Donc, pour la première astuce, on aura besoin de notre vapeur rempli d'eau. Et puis un après-shampoing. Mais pour mon vapeau, j'ai vraiment mélangé d'autres choses à l'intérieur comme de la glycérine végétale. J'ai mis aussi un peu d'huile. Alors je vais juste mettre un peu. Pour mes cheveux crépus, c'est très important d'humidifier les cheveux avant toute manipulation. Une fois que les cheveux sont un peu humides, ça les rend plus malléables. Donc là, on fait pénétrer l'eau. Une fois qu'on sent que nos cheveux sont moins secs, on rajoute notre conditionneur, notre après-shampoing. Alors, oups, désolé. Pour moi, j'ai choisi Tresemmé. Tout simplement parce que. Pourquoi j'ai choisi même? Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Avant, j'utilisais. Moi, c'était Cantu. Mais maintenant, j'utilise vraiment plus de shampoing. Maintenant, j'utilise juste du savon noir ou des poudres. Alors, vu que j'avais déjà acheté Tresemmé, je me suis dit ok. Maintenant, je vais juste utiliser pour démêler mes cheveux. On essaie de le faire bien rentrer dans les cheveux pour commencer notre démêlage. Maintenant, on commence le déménage. Pour débuter, je vais faire des ménages au doigt. Ça consiste à vraiment séparer les cheveux avec nos doigts. C'est mieux de le faire au doigt parce que avec les doigts, on sent les nœuds. Alors que si on utilise un peigne, ça risque de tout arracher. Ça arrache tous les nœuds et puis bon. Alors, je vais juste le faire au doigt. Je trouve qu'après,
L'après shampoing me permet vraiment de. Ça rend les cheveux lisses. Parce que les nœuds se défont très facilement. Très très facilement. Ça glisse. Lorsque vous sentez un nœud, n'essayez pas de l'arracher, essayez de le défaire. Si ça ne marche pas, vous prenez le ciseau et vous coupez. Je pense que j'ai enlevé tous les nœuds. Alors je vais juste utiliser mon peigne à dents larges. On commence toujours par les pointes. Voilà, ma première section est bien démêlée. Comme vous pouvez le voir, ça passe facilement. Pour éviter que ça s'en mêle à nouveau, je vais juste faire une vanille. Comme vous pouvez le voir là, c'est impossible. C'est impossible de manipuler, c'est trop sec. Pour enlever le sang des yeux. Donc j'ai fini ce côté, maintenant je vais utiliser la deuxième astuce pour l'autre côté. Alors pour ça c'est la même chose, on aura juste besoin de celui-là, de l'eau et de l'huile de coco. Alors ce qu'on doit faire, on doit mélanger l'eau et l'après-shampoing dans ce vapeur.
On fait juste comme tantôt. Et en faisant ce mouvement, je vais retirer tous les cheveux noirs. Puis maintenant, on met notre huile de coco. On va juste prendre une bonne quantité. Si vous n'avez pas huile de coco, vous prenez, je pense, huile de ricin. Ou huile d'olive aussi, ça peut marcher. Parce que l'huile de coco ou n'importe quelle huile, l'huile de votre choix, ça va juste lubrifier les cheveux. Alors ce sera plus malléable. Les nœuds vont se défaire plus facilement quand vous mettez de l'huile.
faire de ça. Bon, je trouve que c'est quand même très joli. C'est normal. Ça doit me prendre, je ne sais pas pour le mettre, mais peut-être de 30 à 45 minutes déjà. Alors, j'espère que mes deux astuces vous auront plu. Et si vous avez d'autres astuces aussi, j'aimerais bien que vous le mettiez en commentaire pour le partager avec nous. On se retrouve dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.